Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission du mois d'octobre. Alors, vous le savez, octobre est placé sous le signe du petit ruban rose, puisque c'est le mois octobre rose. Alors, j'aimerais d'ailleurs tirer un grand coup de chapeau à toutes les ambassadrices de Hope qui se sont rendues un peu partout, dans les hôpitaux, dans les lieux qui voulaient que nous présentions l'association. Et puis, nous, eh bien, nous étions aux Equimasters de dressage où on nous a un petit peu déroulé le tapis rouge, vous allez le voir. Et puis, du coup, j'en ai profité eh bien, pour promener ma caméra et vous interviewer pour savoir si vous saviez ce qu'était Octobre Rose, mais également si vous connaissiez les règles au niveau de la prévention. Vous allez voir, ce n'est pas si évident. C'est quoi pour toi Octobre Rose ? Eh ben, c'est la prévention contre le cancer du sein. Octobre Rose, c'est un mois pour parler un peu plus du cancer et des personnes qui ont eu le cancer. Voilà. Donc toutes les activités, toutes les associations, toutes les la communication qu'il peut y avoir sur la prévention en particulier, puisque les soins c'est encore pas complètement ça, mais et ben, il faut par un moyen ou par un autre ben, développer, communiquer autour et aider les patients. Ben, déjà je connaissais pas. Ah voilà, donc Vous connaissiez pas Octobre Rose ? Non, du tout. Jamais entendu parler ? Non. Je connaissais les foulées roses, je connaissais les choses, ça je ne connaissais pas. Je pense que c'est une excellente idée pour réunir les femmes et pour faire l'information en fait par rapport aux femmes qui ne sont pas touchées, pas concernées, voilà. Il ne devrait pas y avoir que ce mois-ci, je pense. Il devrait y avoir beaucoup plus. Enfin, ça devrait être toute l'année et tous les jours. À te dire la vérité, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ouais. Alors j'ai commencé à regarder des personnes sur Facebook qui ont partagé Octobre Rose. Donc j'ai compris que c'était quelque chose qui concernait les femmes, qui concernait le cancer. Rose, pour moi, c'est le cancer du sein. C'est les petits rubans, les petites choses comme ça. Rose, la couleur pour moi, un peu de l'espoir et de dire que quand on est malade, il ne faut pas rester seul. Quoi. Vraiment, il faut en parler, il faut être entouré. Octobre Rose. Enfin, Alice, Octobre Rose, tu sais ce que c'est Octobre Rose ? Mais si, Octobre Rose, c'est pour le cancer du sein. Ah bah, heureusement que c'est un homme qui nous répond. La prévention, c'est quelque chose que vous respectez ? Les mammographies, c'est tous les combien ? Oui. Les frottis, c'est tous les combien ? Tous les deux ans. Ah, bien. Je parle de la mammographie, parce que après, c'est plus long. Non, j'ai pas l'âge, mais c'est à partir de 60 ans. Et après, c'est chaque année. Et pour le cancer du col de l'utérus ? De toute façon, il faut être suivi. Le frottis, c'est chaque année, et mammographie, à partir de 30 ans, je crois que c'est chaque année aussi, non ? Normalement, c'est à partir de 5 ans. Ben, c'est à partir de 50 ans. Et la fréquence ? Tous les 2 ans. Et le frottis ? Tous les 2 ans aussi. Et le cancer du col de l'utérus, alors là, je sais pas. Frottis, tous les combien ? Frottis, je dirais tous les ans. C'est normalement tous les 3 ans, au niveau national, mais il y en a de plus en plus qui le font tous les oui. ans. Ouais. Sincèrement, quand on est en pleine santé, c'est ennuyant. Donc, est-ce que tu faisais tes frottis régulièrement, tes mammographies régulièrement, ou tu faisais quand tu avais le temps ? Mes mammographies, oui. Les frottis, j'avais peut-être pas trop envie, ça me gênait. Donc pas ? Bon, non, pas trop. Les frottis ? Toutes les années. Et ça, je pense que c'est hyper important. Je le fais parce que, ben, si j'ose dire ça, je pense que pour l'instant, j'ai de la chance de pas avoir été touchée. Mais je suis complètement solidaire par les personnes qui l'ont. Ah ben moi, je suis suivie et je ne rate pas un rendez-vous avec ma gynéco. Tous les combien ? Tous les ans. D'accord. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent on sait, puis ah mince, j'ai oublié, je ne l'ai pas fait. Non, moi, je suis très rigoureuse et je fais. Je suis à fond équithérapie parce que je trouve que c'est très bien pour les personnes qui ont des handicaps et qui. Je pense que ça apprend à prendre confiance en soi et en l'animal en même temps. Donc, c'est une excellente chose. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que le cheval est une éponge. Donc, en tant qu'éponge, automatiquement, il peut nous restituer certaines choses. Puis nous, on peut lui faire passer beaucoup de choses aussi. Et quand on est malade, il nous explique que c'est pas ça. Donc, c'est peut-être lui qui nous donne des informations. Il ressent tellement de choses que c'est le meilleur accompagnant qu'on puisse avoir dans la vie. Il est là pour nous soutenir et tout. On fait beaucoup de choses avec les handicapés. Hein. C'est pour ça qu'on regarde des cours avec handicapés. Et ben, on voit que le cheval, il est tellement...
je ne parle pas d'intelligence, mais il ressent tellement les choses qu'il est tout à fait capable de savoir qu'il a sur le dos une personne qui peut être un handicap ou une personne plus faible, on va dire. Il sait qu'il a, il comprend tout. Vraiment, pour moi, c'est des guérisseurs de l'âme, mais aussi guérisseurs du corps. Réellement, et ils ont un pouvoir de nous régénérer, d'aller chercher des forces en nous qu'on croit souvent oubliées, des forces cachées, et ils mettent tout ça en avant. C'est des catalyseurs, ils nous donnent une énergie phénoménale. Et ben, étant enseignante en équitation, je n'en pense que du bien. Franchement, c'est une fois qu'on est à cheval, il y a tout qui s'en va, les soucis, et je pense qu'on doit penser beaucoup moins à ces problèmes physiques. Pendant la maladie, je pense que ça peut aussi faire porter son attention sur autre chose que la maladie, pouvoir être en lien avec... La maladie, c'est quelque chose de plus fort que nous, et puis le cheval, c'est un être qui est plus fort que nous, donc autant trouver un côté positif à être avec quelque chose qui peut nous dépasser, mais avec qui on peut être en harmonie. Le cheval, chien, tout animal, quand on est malade, je pense qu'on se relie, on affectionne un lien avec eux qui est fort. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une sensibilité particulière et... Oui, et je pense qu'un animal ressent quand on a quelque chose. Parce que regardez un cheval, quand vous mettez avec des handicapés, il ne bouge pas. Vous êtes en forme, le cheval il va avoir des réactions différentes. Un chien, c'est pareil. Pour son moral, pour se donner cette force, pour justement les chevaux, de toujours aller plus loin, de toujours donner plus. Qu'est-ce qui nous donne plus, je trouve ? D'aller toujours plus, d'être tout le temps dans notre collaboration, malgré toutes les étapes difficiles qu'on leur fait vivre, sur les concours, sur pas mal de choses, ou même dans la vie de chaque jour. Je pense que c'est une bonne étape pour nous donner... C'est un beau modèle pour nous montrer la motivation qu'il faut avoir dans les moments. Et je trouve ça très chouette qu'on puisse amener ça aux femmes qui ne sont pas forcément dans ce milieu, et je trouve ça hyper intéressant, la relation avec l'animal. Donc, je pense que l'équithérapie, c'est une des choses les plus merveilleuses, et je suis vraiment très très contente qu'il y ait des méthodes comme ça pour que des femmes ou des personnes qui n'ont jamais même eu l'approche à l'équitation puissent venir connaître l'animal. Alors vous avez pu le voir, vous avez pu le constater dans ce micro-trottoir, ce n'est pas si évident que ça. Déjà tout le monde ne connaissait pas Octobre Rose, donc ça veut bien dire qu'il faudrait parler du cancer pas seulement durant un mois, mais peut-être pendant toute l'année. Et puis les règles de prévention, eh bien vous ne les connaissez pas forcément. Donc je vous propose tout de suite de retrouver Karine, toujours au centre Léon Bérard, que l'on remercie, avec le docteur Rousset-Jablonski pour nous parler justement de prévention et de dépistage. Octobre Rose, donc c'est une manifestation qui dure pendant tout le mois d'octobre, qui vise à promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein, donc pour les femmes françaises. Et donc il y a des actions à la fois dans les hôpitaux, dans les structures de soins et aussi dans la société civile. Le dépistage organisé en France concerne les femmes de 50 à 74 ans, qui n'ont pas d'antécédents personnels de cancer du sein ou de maladie à risque au niveau du sein, ni d'antécédents familiaux significatifs. Concrètement, elles reçoivent un courrier papier chez elles qui provient de la structure d'organisation du dépistage organisé. Elles reçoivent aussi une liste des centres où elles peuvent aller faire leur mammographie. Il peut s'agir soit de centres hospitaliers, soit de centres privés. Il faut que cette structure ait accepté de participer au dépistage organisé, et les radiologues qui font partie de cette structure ont reçu une formation spécifique. Donc c'est gratuit dans la mesure où elles utilisent leurs invitations et où elles vont dans les endroits agréés pour le dépistage. Je laisse patienter au fond du couloir sur la fauteuil violet. Merci. Merci à vous.
Elles arrivent, on leur donne systématiquement un rendez-vous. Elles nous présentent leur carte vitale, leur carte mutuelle, tout en sachant que la mammographie est prise en charge par le dépistage, mais que l'échographie reste à la charge de l'assurée. Mais nos patientes, elles ont toute une mutuelle et pour elles, c'est complètement transparent. On s'adresse à la mutuelle en cas d'échographie. Donc là, aujourd'hui, on fait donc, le dépistage organisé, c'est bien ça? Alors, vous vous souvenez un petit peu comment ça se déroule la mammographie? Non? Le principe, c'est une mammographie avec deux incidences par sein. Un cliché de face, un cliché oblique externe. Et en fonction de la densité mammaire, en fonction de ce qui est vu à la mammographie, le radiologue peut décider de faire une écho mammaire ou non. Mais l'écho n'est pas systématique. C'est parfait. Encore quelques secondes avant que ça se décomprime. Voilà. On a fait le premier. Est-ce que ça pour, va chaque personne, c'est différent en fonction des petites glandes qu'on peut avoir dans la poitrine parce que ça aplatit quand même bien. Mais non, c'est surmontable. Hein. Il y a... Non, ça, on ne va pas se tordre de douleur, hein, ça c'est sûr, non. Et ne respirez pas. Respirez et relâchez. Ça va, madame Brossard? C'est un peu plus dur pour celui-là. Ouais. Très bien. Et on termine à gauche. Ça permet de toucher des femmes qui ne vont pas forcément consulter régulièrement. C'est-à-dire que, alors on sait très bien qu'en France, il y a finalement la proportion des femmes qui participent au dépistage n'est pas du tout parfaite, hein, c'est de l'ordre de entre 50 et 60%. Le fait d'avoir mis en place le dépistage organisé, ça a permis d'augmenter la proportion de femmes qui font le dépistage, puisque celles qui ne vont pas consulter régulièrement leur médecin sont aussi invitées en systématique. Respirez et relâchez. C'est terminé. Je vérifie le dernier cliché, madame Brossard. Parfait. Parce que c'est bien justement d'avoir des piqûres de rappel parce que des fois la vie ou d'autres problèmes de santé font qu'on oublie de suivre les examens qui devraient être réguliers, comme moi par exemple qui l'avais oublié. Et là c'est le premier dépistage en fait. C'est la première fois que vous rentrez dans le dépistage. Donc je vous fais le compte rendu, les clichés on les envoie à la structure de dépistage pour une double lecture. Et ensuite, la structure de dépistage, vous les renvoie à domicile sous 15 jours à peu près. Donc là, il n'y a que les clichés 2019 qui sont envoyés à la structure de dépistage. Et là, il y a un deuxième lecteur, on l'appelle L2. Moi, là, en l'occurrence, je suis L1 aujourd'hui. Un deuxième lecteur qui relie les mammographies et qui valide le compte-rendu du L1. Donc si le premier radiologue loupe quelque chose, il y a toujours la possibilité que le deuxième radiologue rattrape l'erreur. Donc c'est une double chance pour les patients. Il y a un certain nombre de cancers du sein qui sont diagnostiqués à la palpation, soit par le médecin, soit à l'autopalpation. Donc il y a aussi tout un volet sur la sensibilisation des femmes à l'autopalpation et aux motifs qui peuvent amener à consulter suite à, voilà, à la constatation de quelque chose d'anormal au niveau du sein. Donc le premier temps, c'est en effet, on conseille aux patientes de se regarder dans le miroir pour vérifier la symétrie au niveau de la poitrine, vérifier qu'il n'y ait pas de rougeur au niveau de la peau, de rétraction au niveau du mamelon. Ça, c'est les signes visuels qu'on peut constater. Et ensuite, pour ce qui est de la palpation, donc on leur conseille de faire une palpation de temps en temps, une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois, plutôt après les règles, pour celles qui sont réglées, puisque du coup, c'est le moment du cycle où le tissu mammaire est moins dense. Et on leur montre les zones à palper, donc qui sont bien les quatre cadrans du sein, en allant du haut vraiment de la paroi thoracique jusqu'en dessous le sein, avec le plat des doigts pour ne pas avoir l'impression de sentir des boules, ce qui peut être le cas quand on palpe avec le bout des doigts. Et une fois qu'on a fait cette palpation au niveau vraiment thoracique, ensuite il faut palper les aires ganglionnaires, donc il y a au-dessus des clavicules ici, et puis au niveau des creux axillaires, donc sous les bras. Il y a des craintes en effet sur le risque de cancer radio-induit puisque les rayons X, on sait que c'est des radiations qui peuvent induire des cassures de l'ADN et donc provoquer des modifications cellulaires et éventuellement faire développer des cancers. Le risque lié aux rayons X, il est clairement dépendant de l'âge.
Donc on sait que chez les femmes jeunes, ce n'est pas forcément très bon de faire des mammographies. Donc quand on est en dehors d'un risque familial, il n'est pas recommandé de faire des mammographies de dépistage. Ensuite, pour la tranche d'âge du dépistage organisé, donc à partir de l'âge de 50 ans, clairement le bénéfice sur le dépistage des cancers est nettement supérieur au potentiel cancer radio-induit. Donc la balance bénéfice-risque dans cette tranche d'âge est clairement positive en faveur du dépistage radiologique. Merci beaucoup Karine et docteur Rousset-Jablonski. Alors vous allez le voir, dans cette émission, on a un petit peu bouleversé les chroniques. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de portrait ce mois. On retrouvera Nadège pour le mois prochain. Parce qu'on avait vraiment envie de parler justement de dépistage et de prévention. Alors justement, on a posé la question à Nicolas. On dit qu'on prévient beaucoup, qu'on dépiste beaucoup, mais que justement, on soigne peut-être des cancers qui se seraient peut-être résorbés tout seuls. Réponse avec Nicolas Chopin. On pense qu'on surintervient trop. Le dépistage, il y a deux types de dépistage. Il y a le dépistage organisé, qui est entre 50 et 74 ans, des mammographies tous les deux ans, qui sont avec une double lecture et des résultats qui sont centralisés. Et puis il y a le dépistage individuel, qui est sur prescription du médecin traitant. Ce qu'on pense, c'est que, en tout cas c'est une critique, c'est que le dépistage, d'une manière générale, le dépistage organisé en particulier, permet de trouver plein de lésions qui peut-être n'auraient jamais fait parler d'elles et qui, du coup, débouchent sur des surtraitements. C'est la critique qui est faite au dépistage organisé. Si on pousse la critique, et ça a été fait par un certain nombre de personnes et par des publications qui ont été rapportées, mais qui sont dans les pays étrangers principalement, c'est que ça augmenterait le risque de mastectomie de faire du dépistage organisé parce qu'on trouvait beaucoup plus de choses. En fait, les choses ne sont pas du tout aussi claires. Effectivement, il y a plus de mastectomies dans l'absolu, en valeur absolue, puisqu'on trouve de plus en plus de cancers grâce au dépistage. L'idée du dépistage, c'est d'améliorer la mortalité en diminuant le stade auquel on trouve un cancer. Pour autant, on a une augmentation du nombre de mastectomies, mais si on fait le rapport par rapport au nombre de cancers, finalement, le ratio est relativement constant. Ce qu'on a trouvé, on a repris les chiffres en région Rhône-Alpes, en fait, si on compare dépistage organisé contre dépistage individuel, c'est faux, et on trouve qu'il y a moins de mastectomie si on fait un dépistage organisé par rapport au dépistage individuel. Donc ça valide le fait d'avoir un dépistage organisé. Les chiffres dans d'autres pays ne sont pas forcément exactement similaires, mais la méthode de dépistage organisé dans d'autres pays n'est pas forcément organisée de la même façon. Ok. Par contre, tu dis donc dépistage, les mastectomies, c'est à partir de 50 ans. Les mammographies ? Mammographies. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes jeunes qui ont des cancers du sein. Est-ce que celles-là, elles font partie, elles font pas partie du dépistage ? Non, elles font partie du dépistage individuel. Justement. Ouais. Et on en trouve, et il y a eu une question il y a quelques années, c'est un sujet récurrent, si on ne devait pas passer à un dépistage organisé de 50 à 74 ans, mais à un dépistage de 40 à 74 ans. Le calcul a été fait si on avait une réelle amélioration sur les chiffres de la survie, si on faisait un dépistage organisé entre 40 et 50 ans, et l'amélioration est assez discutable, elle n'est pas si évidente que ça, et ça n'a pas dû, pour cette raison notamment, été retenu. Ok, donc bien faire son dépistage quand on reçoit le petit courrier. Il faut dans la absolument le faire. Et puis quand on a moins de 50 ans, bien aller voir son médecin en cas de problème. C'est ça. C'est le mot de la fin. Merci Nicolas. Je regarde ma jument, elle est trop jolie. Alors merci beaucoup Nicolas pour ses réponses à nos questions. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous irons voir notre pharmacienne préférée, Sophie Caille, pour parler de comment nous booster avec l'arrivée de l'automne. Et puis vous savez, les coups de blues, aujourd'hui il fait beau, mais demain il va faire un temps burk. Salut, à demain.